Salut tout le monde, c'est Zouyi. Donc voilà, encore une nouvelle émission Rétro Zouyi. Aujourd'hui, encore une console inconnue, hein, on va dire, une console que j'ai pas encore testée. Une console, enfin, on va dire que pour moi, tout ce qui est rétro, c'est tout ce qui est avant la dernière génération. Sinon, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que les Play 3, Xbox, oui, c'est les nouvelles générations. La NES, Super NES, 64, c'est les rétros. Et au milieu, il y a quoi? Play 1, Dreamcast, Saturn, Play 2, c'est quoi? Les Next rétro? Non. Donc voilà. Donc là, une console rétro pour moi, Dreamcast, même si elle est excellente, c'est l'une de mes consoles préférées avec la Mega Drive. Et donc, avec un jeu, c'est le seul que j'ai en original, on va dire, c'est Virtua Tennis. Sans déconner. Ce jeu Virtua Tennis, bon, c'est un peu pourri, hein, mais ce jeu Virtua Tennis, je l'avais à l'époque. Et j'avais kiffé, franchement, c'était excellent. La boîte elle est pétée, je crois. Ouais, tout est pété. Avec le jeu. Et moi, ce que j'aimais bien avec les boîtes Dreamcast, pas qu'elles se pétaient vite, mais que on pouvait ouvrir derrière, et souvent derrière, c'était avec le livret. Et je les trouvais classe, moi, ces boîtes bleues et tout. C'était vraiment beau. C'était vraiment excellent. Et ouais, la Dreamcast, ah putain. Donc, Virtua Tennis, voilà. Ouais, sinon, dans ma chaîne normale, je vous dis popo, j'ai fait 3 vidéos de PS Vita, dont Virtua Tennis 4. Hein, voilà, petit rapport. Donc voilà, ben allez, on va tester ça maintenant. Hein. Ouais, Dreamcast, comme c'est vieux ça, mais c'est excellent. Il y a les Shenmue, le Sonic et tout, mais c'est... Oh. Et ouais, la bonne époque, hein. Ah là là. Avec le VMU, Virtual Memory, Virtua Tennis, excellent. World Circuit. Je crois que c'est les Mastercard en plus, hein. Eh ouais, c'est ça. Oh là là. Donc ça, c'est le mode World Map, là. C'est en gros, on doit faire des entraînements pour augmenter, on va dire, de niveau, pour débloquer plein de matchs, pour ensuite débloquer des magasins et pour ensuite acheter des joueurs ou des stages et des habits. Ça, c'est le partenaire en mode, bon, comme ça là, mode carrière, on va dire. Rétablit la force et force de frappe. Ouais, sûr. Ah, on va voir, hein. Si j'ai pas perdu la main. Jolin. Donc bouton Y pour changer de vue. Ouais. A pour frapper. Et X et B pour faire des lobes. Je sais pas comment on dit ça. Ouais, ok, d'accord. Pour une Dreamcast, sans déconner, le jeu est trop beau. Bah à l'époque la Dreamcast c'était en avant sur son temps, hein. C'était vraiment magnifique, c'était les graphismes étaient excellents, le son était nickel. Ah, c'était excellent. Eh ben. Et quand on pense que c'est le premier Virtua Tennis qui était aussi dispo sur PC, ah, c'est excellent. Et voilà! Ah putain, c'est vrai, 40-40, c'est égalité, et après, ah ouais, c'est vrai ça, wow. Allez! On va aller à égalité 12 comme ça, tu vas voir. Et...
conneries. Hein. On va arriver à égalité 12, t'es obligé. Il y a 3 jeux en plus. putain, pour arriver jusqu'à 12, ça va être long. Hein. Part the break. Hey Ben. Et le pire dans tout ça, je peux pas vous le montrer parce que là c'est un match assez chaud. Mais là, on voit les mecs qui jouent. Vous allez voir, attendez, hop. Vous allez voir, c'est exactement comme le jeu. Bon, on voit pas l'écran derrière, hein, mais voilà. C'est moi qui me déplace. La caméra change aussi. C'est incroyable. Même sur le VMU, Visual Memory Unit, on voit le jeu. Je change la caméra dans le jeu, ça change aussi sur le VMU. C'est excellent pour l'époque, ça décolle. Même aujourd'hui, il n'y a toujours pas de trucs comme ça. Hein. Ah, c'est excellent, c'est excellent. La Dreamcast n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de bons jeux. Voilà ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu et ce qu'il en est, quoi. Hein. Pourtant, il y avait des bons jeux quand même, hein. Et des lourds, hein. Il y avait les Crazy Taxi. Heureusement qu'il renvoie sur moi. Les Sonic, les Virtua Tennis, les Capcom vs SNK. Il y en avait les Shenmue, surtout rien que ça. Ça vaut tous les jeux du monde presque. Et voilà quoi, Power Stone. Il y en avait deux. Je sais pas, il n'y avait pas assez de bons jeux. Ça me déconne. Après ouais, des jeux, il n'avait pas assez tout court, ça c'est vrai. À sauvegarder. Voilà, 15222. Excellent ça. Voilà, là j'ai gagné donc level up. Et j'ai rien débloqué, non. Non. On va se casser de là. Exhibition, c'est voilà, c'est à vous d'établir les règles, donc on fait ce qu'on veut. Et arcade, c'est 5 tournois, je vais faire ça et après. C'est bon. Hein. On va faire double maintenant. Je mets là. Ouais, il me manque 3 persos. Hein. Donc moi je vais prendre. Ah, peur. Et... Oui. Ouais, il y a Master et King à débloquer. C'est-à-dire on joue en mode normal. Il faut faire les 5 rounds sans perdre un seul jeu, ni ça, ni rien. Et à la fin, on se bat contre King ou Master et après King. Mais là en double on se bat contre les deux directement. Mais je vais pas y arriver, je pense pas. Hein. Voilà pas. Allez, go go go. Voilà, tu renvoies, tu me renvoies, là je renvoie là, et c'est fini. Ou pas. Ce qui est bien, c'est qu'en mode facile, tu fais rien. Tu lances la balle, et c'est ton adversaire qui fait tout. Bon là, il renvoie vers moi, j'ai mis en mode normal. Hein. Mais en mode facile, t'as même pas à toucher la manette,
tu gagnes. J'ai mis à chaque fois un jeu, hein, comme ça c'est bon. Après je sais pas si ça marche pour Master et King avec un jeu, s'il faut mettre deux d'origine, je sais pas. Mais bon. Allez, go! Ouais, bah allez. Bon, bon, bon. Il est quand out? Ah non, même pas. Oh, on les emmerdés là, c'est pourri pourtant. Hein. Allez, n'importe quoi. Ah, j'ai perdu. On se casse de là. Game over. On revient où là? Ah, on revient là. Ouais, World Circuit. Bon, on va finir avec 2-3 minutes vite fait. Vu qu'un jeu de tennis, surtout le jeu de sport, c'est toujours pareil. Hein. Ben, tous les jeux sont pareils, mais là, faire un petit voilà, training level 3, les quilles. Faut que je fasse ça. C'est parti. Tu es bon dernier. C'est bidon ça. C'est dommage que t'aies pas de truc réessayer parce que là on va faire jusqu'à la fin. Sachant que tu vas perdre, tu perds du temps, c'est un peu con. On va toucher celle de gauche. Ou pas. 13 sur 100 en deux coups, c'est bidon. Bon bah bon. Ah, c'est impossible, quand on arrive au niveau 2, même 3, c'est impossible. Après au pif, ouais, tu peux réussir, mais... Voilà, 58 sur 100, c'est impossible. Je vais essayer d'arriver au moins à 80, allez. Non, on se casse. Un autre petit mini-jeu là pour rigoler. Voilà, là, et avec l'aigle ou avec le statut, c'est j'ai fini. J'ai fait les 3 niveaux, voilà. Ouais, bon, on va faire celui-là pour rigoler. Je l'ai déjà fait, mais bon. Faut pas toucher les rouges, parce que les rouges, ça les réactive. Non mais arrêtez de me viser, arrêtez de me viser. Putain mais il est où? Il n'y a pas de zone là? Putain de merde. Milieu, milieu. Putain. Donc voilà quoi, c'était Virtua Tennis. Sur la Dreamcast, la bonne époque ça, surtout la bonne console. Ah putain, c'était le top. Donc voilà, et y a pas, ouais, c'est vrai, y a pas de bouton comme la Xbox ou quoi, où tu reviens au menu au début, dommage. Donc ben, dans 20 jours, donc au 5 mars pour une autre vidéo. Ouais.
Virtua Tennis. Sans déconner. On peut pas dire que la Dreamcast c'est une console pourrie. On peut pas le dire. C'est... On peut dire ce qu'on veut, mais pas ça. Ah, je la trouve belle, elle est belle. Même les boîtes, elles sont belles. Les jeux, ils sont excellents. Enfin, je sais pas pourquoi elle a pas marché. C'est bizarre. Même la manette, bah ok, elle est bizarre. Mais prise en main, franchement, ça va. Elle est belle et tout, c'est bien. Et le VMU, c'était excellent, ça aussi. Je sais pas. Dommage, parce que franchement, c'était de la bombe. On peut jouer avec l'arcade stick aussi. Et c'est vrai que... J'aurais aimé l'avoir testé un peu. Donc voilà, franchement, c'est un bon jeu, j'aime bien. Après, les jeux de sport, c'est pas trop mon truc, à part les track and field où c'est sympa. Mais maintenant, de plus en plus, je commence à aimer. Genre, le foot, j'ai jamais aimé, mais j'aimerais pas. Je pense pas. Virtua Tennis, ça va, j'aime bien. Ouais, ça dépend. Donc voilà, ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Puis dans les jours, donc le 5 mars environ, hein, pour je sais pas. Normalement, je pense faire Mario, c'est-à-dire tester un peu les Mario de la NES jusqu'à la GameCube, voir les graphismes, la maniabilité, le son, qu'est-ce qui a changé ou pas, ce qui est mieux, pas mieux. Voilà. Bon, pas tout le Mario, hein. Je vais tester genre Mario 1 sur NES, après Mario 3 parce que lui il faut le tester forcément, après Super Mario World, et voilà, jusqu'à... Et après Mario World, il y a Mario Sunshine. Ouais, voilà, un truc comme ça, on verra. Donc ben, merci de vous abonner à la chaîne, de faire tourner, de regarder ma chaîne Jeudi Popo, mettre j'aime à ma page Facebook, et puis ben, à dans mes jours.